Tony Nadal ne porte pas particulièrement Novak Djokovic dans son cœur. Récemment, l'entraîneur de tennis espagnol a fait part d'une analyse de l'évolution du niveau des meilleurs tennismen du monde. Selon l'oncle de Rafa, le champion serbe a régressé au cours de ces dernières années. Évidemment, Nol ne partage pas l'avis du technicien ibérique. Je ne suis pas d'accord avec cela car chaque génération a un groupe de grands joueurs qui dominent. Maintenant, il y a Sinner, Rune et Alcaraz. Ils ont dominé la majorité des tournois au cours des deux dernières années. La façon dont Carlos joue, comment il défend, comment il attaque. C'est très complet. Alcaraz aurait gagné de la même façon il y a 10 ou 15 ans. Chaque génération a ses champions. Le tennis a changé et évolué, a répondu l'homme aux 23 tournois du Grand Chelem dans des propos rapportés par Marca. Interrogé au sujet des propos de Tony Nadal, Justine Hénin a exprimé clairement son désaccord avec le coach historique du Taureau de Manacor. Le Djokovic actuel poserait beaucoup de problèmes au Djokovic d'il y a 10 ans ? C'est sûr, a estimé l'ancienne championne belge sur Eurosport. Vendredi, le Joker sera opposé à l'américain Ben Shelton en demi-finale de l'US Open.